cette harpie. Everything is real. So hit me. So hit me. So hit me. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, je vous ai mis un story sur mon Insta que vous avez dans la description, que j'avais fait un gros Coleman énervé à 36 km/h dans une pente où la zone est limitée à 30 km/h. Le but d'aujourd'hui, ça va être d'essayer d'atteindre la barre des 40, voire au-dessus, et puis de travailler un petit peu mes slides en virage. Du coup, je vais faire du hill side et du tow side. Et voilà, j'ai un spotter qui est avec moi qui est en fond. Tu peux gueuler ? Ouais ! Voilà, le spotter est là. On essaie de faire ça de manière un petit peu safe. J'ai deux caméras, du coup vous aurez un angle avant et un angle arrière. Et on va voir ce que ça va donner. Pour commencer, je vais simplement m'échauffer. Et puis après, bah, vous allez voir les gros tocs et puis les gros slides. Voilà! Ok, ça va, j'ai pas trop pris violent. Pas du tout même. Ça va très très bien. Bon, faire le virage sans slider, c'est pas possible. Ça décroche, ça va être dur de taper les 40. Hein. Du coup, il y a un petit peu de dégâts. Hein. C'est la première chute où je me relève, genre pépère quoi. C'est de la chance, hein, franchement. Mais voilà pourquoi tu t'équipes si jamais. J'en fais encore deux, puis si j'arrive pas à atteindre le 40, c'est que je pourrais pas l'atteindre, sauf que je suis déjà comme un malade. Alors, je galère un peu à cadrer, j'ai le soleil derrière moi, mais c'est pas grave. Les amis, la vidéo touche à sa fin. Je sais que je n'ai pas beaucoup fait de tow-side, mais c'est parce que j'avais la flemme, voilà, on va se le dire clairement. Vous avez vu en fait sur l'appli que j'ai sur le téléphone, qui a un début marqué inaccuracy, donc imprécision, ce qui est une marge d'erreur. Du coup, j'ai envie de dire que vu que j'ai eu 39,2 et qu'il y a peut-être de l'imprécision, on a potentiellement atteint les 40 km/h. J'ai envie d'y croire. On attend que la voiture passe. Du coup, je pense, selon moi, que l'on a atteint les 40 km/h. On était à 39,2. C'est suffisamment décent, je trouve, pour pouvoir m'arrêter là. Je pense pas que je pourrais aller beaucoup plus vite, parce que je poussais déjà pas mal, en fait, pour essayer d'atteindre la vitesse. Du coup, c'est un peu limitant. Mais voilà, c'était une bonne expérience. J'ai pu un peu entraîner les virages. Du coup, ça fait plaisir. Vous avez pu voir, du coup, deux runs filmés par le spotter lui-même. Je lui fais des gros bisous, je vous remercie beaucoup. Si tu vois la vidéo, Esteban, cœur sur toi. Voilà, merci d'avoir participé. Et vous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.
Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, laisser un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et cliquez la cloche aussi parce que je sors de manière générale des vidéos. Donc si vous êtes un petit peu longboard freeride, longboard dancing ou bien DH, il y a tout ça sur la chaîne. Il y a tuto, comme run et edit. Voilà. Et je vais vous filmer la preuve que c'était bel et bien une zone 30 qui est. Attendez donc. Juste ici. On a fait un excès de vitesse.